Good morning, Alei den Netzusra. Aujourd'hui, les Elohim Nishmat Avraham, Mordechai ben Yitzchak ben Fanny, David ben Fortuna, Mazal Fortuna et Dvorah bat Esther, ainsi que l'Irfuat Avraham, Noach ben Yehudit et Rachel Perl bat Rivka ben Torchakol Israël. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, Michel contacte les 5 minutes éternelles. Nous étions Mazal Fortuna, Père Exaïn, Mishnah, Ve Elou Yotzot, Shelo Biktuba. A Over et Amdat Moshe, Vi Houdit, Ve Ezohidat Moshe, Machilato, Shelo Moussa. Meshamashto, Nida, Veloko Tzalachala, Venoderet, Veena, Mekayemet, Veizohi dat Yehudit, Yotza, Verosha Parua, Vetova Bashuk, Omedaberet im Koladam, Abashwolomer, Af Amekalelet Yoledav Befanav, Rabitafonomer, Af Akolanit, Veizohi Kolanit, Lershehi Medaberet Betoch Beta, Ushreneha Shomein Kolam. On a un peu fini avec les Nedarim, partiellement pour le moment, du côté, par rapport à ce que le mari peut interdire à sa femme, mais cette fois-ci, on va s'intéresser juste à Ve'elu Yotzot Shelo Biktuba. Quelles sont les femmes que le mari doit divorcer sans lui donner la Ktuba? En fait, on va parler d'une femme qui se comporte mal, religieusement, et selon quels critères le mari est en droit de divorcer sa femme sans donner la Ktuba. Il amène au Bedin et dit, je divorce ma femme parce qu'elle ne se conduit pas bien. Alors ce Salam Shal me dit, c'est à condition que ce soit Ha Overet al-Dat Moshe vi Houdit, qu'il s'agisse d'une femme qui transgresse Dat Moshe ou Dat Yehudit. D'accord? La Dat Moshe qu'elle transgresse la religion de Moshe, ce que la Torah nous a prescrit, ou Dat Yehudit, les usages des Juifs. Soit. On va peut-être une petite introduction. Très rapidement. La femme, elle a le devoir de garder la Torah et les Mitzvot, comme le mari a le devoir de garder la Torah et les Mitzvot. Tant que la femme, elle fait des choses qui ne la concernent qu'à elle, le mari n'a pas de droit sur sa femme de divorcer. Imaginez que ça lui prend de la première Khalel et Shabbat. Le mari ne peut pas divorcer sa femme sur les Mitzvot, ça ne le concerne pas. D'accord? Dans la mesure où le repas qu'elle lui donne à manger, c'est le repas cachère, d'accord? Il n'a pas un droit de la divorcer sans Ktuba. Mais si toutefois elle porte préjudice au mari, le mari il est en droit de la divorcer sans Ktuba. Et ça implique quoi? Alors ça implique, ouais, il y a une liste de choses qu'une femme doit faire à son mari. Si elle les remplit de manière propre, il n'y a pas de problème. Elle lui donne à manger cachère, elle se trempe au mikvé quand il faut. Elle, à part ça, elle discrètement, elle, je sais pas moi, si elle fume sa cigarette ou je sais pas quoi. La cigarette peut-être, j'en sais rien. Ben, en réalité, le mari n'a pas le droit de divorcer sa femme sans Ktuba. Il doit lui donner la Ktuba, c'est la divorce. Il vaut mieux pour lui qu'elle divorce, je pense, parce que ça peut être compliqué, ça peut être en écart. Mais en tout cas, il est obligé de lui donner la Ktuba. Elle n'a rien fait qui lui porte préjudice à lui. D'accord? Ça s'appelle qu'elle elle lui plaît plus. Il doit quand même lui donner la Ktuba. D'accord? Sauf si de toi, elle porte préjudice à ce qu'elle doit faire. En l'occurrence. Alors, sur deux plans. Soit elle manque au devoir des juives, de la Torah, soit elle manque même aux usages des juifs, elle ne se conduit pas de manière tsnoua, de manière pudique, comme ce qu'on va voir des exemples dans la Mishnah. Ve'ezohi dat Moshe, qu'est-ce que tu appelles dat Moshe qui transgresse la religion de Moshe, c'est-à-dire la Torah elle-même, les lois de la Torah. Machilato she'eno me'usar, elle lui donne à manger quelque chose qui n'est pas prélevé. Ça veut dire lui, il n'en sait rien. Il mange, il arrive à la maison, il lui dit, c'est bon, t'as prélevé? Ouais, j'ai tout prélevé. C'est pas moi qui ai prélevé, pire que ça, j'ai demandé à Réhouven qui vienne et qui prélève toute sa tombe à ma sorte, et il l'a fait. Le mari, il est content, il dit, non, c'est très bon ce que tu me donnes à manger. Il rencontre Réhouven, et il lui dit, heureusement que t'es venu prélever, il lui dit, j'ai jamais mis les pieds chez toi. D'accord? Avec tes moins comme il faut, on sait qu'elle lui a menti, et qu'elle a donné à manger du pack à chair, franchement. Ou encore, Omeshamashto Nida. Elle entretient un rapport avec lui alors qu'elle est Nida, elle lui cache qu'elle est Nida. C'est-à-dire qu'on parle en fait qu'on sait qu'elle est Nida. L'Agma propose plusieurs solutions. Le partenariat importune, par exemple, que à l'époque, les femmes Nidot avaient l'usage de porter des habits de couleurs différents pour la distinguer. Et quand il y avait les lois de Touma et de Tara en Israël, dans le Ham Israël, c'était assez complexe. Il fallait slalomer entre des mines qui pouvaient entamer plein de choses. Donc la femme Nida, elle s'isolait dans ses multiples maisons à part, elle portait des habits différents, comme ça, des habits de couleur, comme ça on se tient à l'écart d'elle. Et voilà, ça c'est de manière générale. Maintenant, les voisines, elles savent pertinemment qu'hier elle a passé la journée avec ses,
Ça venait de commencer, ça faisait 2 jours qu'elle avait mis ses habits de Nida. Elle a entendu que son mari, qui était à l'étranger, que finalement il rentre plus tôt, d'un coup, elle a changé tous ses vêtements. Le mari, il a un truc, et le lendemain, le voisin qui va toujours poser des questions sur sa vie privée, il lui raconte qu'en réalité, ben, il est rentré de voyage, il était content de trouver sa femme, il lui dit, mais ta femme, elle était Nida, elle t'a caché. Ah, elle lui a menti, alors là, il doit le divorcer, d'accord? Il doit le divorcer sans que tout va, parce qu'elle lui a, sur quelque chose d'intime, elle n'avait pas lui caché ça, et voilà. Mais alors que ça, la chala, même principe aussi, elle ne lui prélève pas la chala. Lorsqu'elle mange du pain, consciemment on parle, qu'elle lui ment même, qu'elle lui raconte que ça a été prélevé par tel Cohen qui est venu, et en fait c'était du bluff. Venoderet ve enam mekayemet, et encore une autre chose, une femme qui prononce des nedarim et qui ne les respecte pas. Alors là il y a un problème. Lui, il fait, c'est l'intrus de la série. Jusqu'à maintenant on a expliqué qu'on parle de choses qui concernent le mari. Là, maintenant, tu me dis qu'elle fait des nédarim mais qu'elle ne les respecte pas. Que ça peut porter préjudice au mari. Et sur ça, la gamine répond, Bavon, nédarim, banim, metim, du shalom. Quelqu'un qui prononce des nédarim mais qui ne les respecte pas, ses enfants meurent. Chas ve Khalila. Tous ces gens qui jurent et tous ces gens qui font des nédarim et qui ne les respectent pas, il faut supprimer le mot je te jure et je te le sur la Torah, et bien mettre. N'utilisez pas ces termes. Si chas ve shalom, Gemara le précise. D'accord? Et la Gemara le précise sur ça, vu que dans ma série d'Empire Kamadir, la Gemara raconte sur l'importance de ça. Quelqu'un qui prononce des vœux et qui ne les respecte pas, chas ve shalom, les enfants décèdent. Et le mari dit, moi, une femme pareille, je veux que mes enfants y restent en vie, en bonne santé. Elle prononce des vœux, elle ne les respecte pas, on l'a attrapé, on sait qu'elle le fait consciemment. Get sans Ktouba, d'accord? Ve eizohi dat yehoudit. Et qu'est-ce que c'est la dat yehoudit? Tu me parles des usages des juives que la femme a le devoir aussi de respecter. C'est quoi cette dat yehoudit? Que c'est pas imposé par la Torah. Et regardez comment ça va être intéressant. Yotza ve rocha paroua. Elle sort dans la rue et sa tête est découverte. Une femme juive, elle se couvre la tête. Il faut savoir que selon la Torah, l'obligation de se couvrir la tête. C'est déduit d'ici dans cette souga là dans la Gemara. Selon la Torah très stricte, c'est celui que la femme, elle ait les cheveux partiellement couverts. D'accord? Même un chapeau sur la tête, avec les cheveux qui dépassent, elle est couverte selon l'obligation de la Torah, de la femme de se couvrir les cheveux. Maintenant, malgré tout, l'usage des dat yehoudit, c'est de couvrir tous les cheveux. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se couvre pas seulement les cheveux, elle sort comme ça, au chouk. Comme ça, tout le monde, elle montre ses beaux cheveux à tout le monde. Le mari dit, est-ce qu'on lui sent tzniout? La tzniout, ça m'appartient à moi. C'est ma femme, la beauté de ma femme, c'est pour moi. Quelqu'un qui l'a, si elle l'extériorise, je la divorce sans Ktouba. Ve tova bashouk, même principe aussi, si elle, tova bashouk, c'est qu'elle tricote, ou qu'elle tisse, elle file des fils plutôt. Tova, c'est celui qui file les fils, bashouk, dans la rue. C'est quoi l'histoire? C'est simple. Elle découvre ses bras pour travailler. Elle lève les manches comme ça, de manière très grossière. Et la beauté de ma femme, c'est pour moi. Si elle s'extériorise, on la prévient, il faut la prévenir, c'est explicite, je ne sais plus où. Explicité quelque part, je ne sais plus où, qu'il faut la prévenir. D'accord? C'est dans le Barthénoir. Les colonies seront édim vatra, la psydane cloata. Il faut la prévenir, que si tu continues à te conduire comme ça, on va te divorcer sans que tout va. On la prévient, elle dit, allez, arrêtez-vous là. Eh ben, on la divorce en tout cas. D'accord? Ou medaberet im kol adam, et de même aussi, si elle parle avec n'importe quel homme dans la rue, c'est pas qu'elle parle, c'est qu'elle éclate de rire, elle attrape chaque fois des petits jeunes hommes, elle leur parle de manière grossière, comme je sais pas quoi, comme s'il n'y avait aucune distance entre les hommes et les femmes. Le mari dit, oh, une comme ça, là, dans d'ici peu, chas ve khalila, on a une chatiche à la maison. Donc, on divorce en tout cas. D'accord? Allez, au verre t'as la théodite. Abba Shaul Omer. Abashon rajoute encore un autre cas. Afamé kalelet yoledav befanav. C'est qu'elle, elle maudit et elle insulte yoledav, ceux qui l'ont mis au monde, c'est-à-dire son père en fait, son beau-père. Elle insulte son beau-père devant lui. Devant lui, c'est devant son mari. D'accord? Ou même, c'est-à-dire qu'elle est fâchée contre le beau-père. Elle lui dit, toi, tu n'es qu'un et t'es qu'un et t'es qu'un truc devant son fils. Le mari lui dit, écoute, là tu violes ma personnalité, ma 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 ma, 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 ma,
ma vie privée, comme mon père. Et donc, get sans Ktuba. Ça, c'est la vie de Abba Shaoul. Et je ne sais pas si la lachane est retenue comme lui, je ne sais pas, c'est pas écrit. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon rajoute encore un autre cas qui est un peu différent. Cette fois-ci, c'est une femme qui a vraiment pas de chance. Ah non, ça dépend, il y a deux avis. Afakolanit, de même aussi celle qui fait entendre sa voix, qui a une grosse voix, ça peut faire. On va expliquer. Vezoi Kolanit, la Mishnah elle parle de manière très propre. Il faut savoir souvent, quand on parle dans la Mishnah de une femme qui parle, en réalité c'est une femme qui entretient un rapport. Mais on parle de manière pudique, une femme qui entretient des paroles, c'est-à-dire qu'elle est en train de. Vezoi Kolanit, et c'est quoi une femme Kolanit qui fait entendre sa voix? L'Irshei Medaberet Betoch Beta, quand elle parle chez elle dans sa maison, ou Shrenea Shomin Kola, et ses voisines l'entendent. Et en réalité, deux interprétations dans la Gemara, le Barthénor il en rapporte une, mais moi je me souviens que dans la Gemara il y en a une autre. Alors on va d'abord commencer à dire ce que le Barthénor il nous dit, c'est qu'en fait c'est une femme grossière qui, devant toutes les voisines, elle chauffe son mari pour qu'ils aillent s'isoler ensemble. C'est des choses qu'il faut cacher pour soi-même. Il y a même une halakha, même de manière générale, une femme qui va s'entendre miguer, il ne faut pas raconter aux autres qu'elle va miguer, elle rentre chez elle et puis c'est tout. Il y a marqué tout celui tout celle qui dévoile à ses voisines qu'elle est partie au mikvé et que ce soir ils vont faire ce qu'ils vont faire. C'est un manque de sniout très grave. C'est comme si que le mari il a un rapport à un shochevim bema, elle appelle ça. Comme si qu'il a un entretien rapport avec une vache. Elle n'a pas de kavod personnel pour maintenir ces belles choses de manière sainte et propre quand c'est fait en grande intimité et qui deviennent très grossières dès que c'est extériorisé. Alors c'est bon, ça c'est pour le sale qui dévoile qu'elle va au mikvé. Mais là on parle pas de ça. On parle d'une femme qui est kolanit, qui réclame à son mari, d'accord, des choses intimes, et devant toutes ses voisines, le mari il a le droit de la divorcer sans ktuba. Il me semble qu'il y avait une autre aussi dans la Gemara, il y avait une autre interprétation. Et ouais, c'est rapporté dans Tiferet Israël cette fois-ci. C'est qu'en fait, non, c'est pas qu'elle lui réclame Bécol, c'est qu'en fait, elle parle de tout ce qui est intime entre eux en l'humiliant devant les autres. Ah, tu m'as fait comme ça, et le truc, hein, ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé en intimité, elle extériorise ça dans tout le monde, le mari, il rougit de honte, il dit, écoute, tu sais pas garder ce qui est intime pour nous. Yotzi, Veten, Velo, Veten, sans Ktuba. Il donne le divorce sans lui donner la Ktuba, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sela.